Reynaud, je suis responsable de collection chez Aubade. Comment se présente cette nouvelle collection ? Alors nous avons décidé cette année de travailler autour du thème qui nous est cher, de Paris. Donc c'est un thème qui était vraiment facile pour nous, on est une marque à la base parisienne, donc on a vraiment décidé de mettre en scène notre ville lumière avec des thèmes, enfin avec des angles différents, notamment donc, un thème autour de l'Opéra Garnier et autour du film qui a eu beaucoup de succès l'année dernière qui était Black Swan. On a travaillé aussi sur un esprit beaucoup plus Montmartre, beaucoup plus traditionnel, autour de l'accordéon, etc., avec des lignes très graphiques sur un thème qui s'appelle Fantasme Musette. Et on a travaillé sur le Paris plus romantique, le Paris avec ses beaux paysages, ses belles portes, etc. Donc vraiment le vrai paysage parisien romantique. Donc Paris, c'est quelque chose de porteur pour la vente à l'international ? C'est un thème qui va aussi bien pour les Français que pour l'international, effectivement, où il est facile de communiquer dessus. C'est une ville qui fait rêver tout le monde. Et c'est une ville qu'il est facile de travailler quand on est une marque française comme nous. Alors les collections sont préparées à peu près un an et demi à l'avance et on se donne à peu près 6 mois pour déceler les tendances, pour créer des premiers prototypes et pour aboutir à un produit qui nous plaît et qui reflète vraiment ce qu'on voulait faire passer comme idée. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent vraiment d'une année sur l'autre ? Alors cette année, Aubade a décidé de jouer sur le fluo et c'est quelque chose d'assez osé en lingerie en tout cas puisque peu de marques le font. On a joué des roses fluo ou des touches de orange fluo, ce qui est assez nouveau en lingerie et vraiment du fluo qu'on peut voir dans le noir, etc. Donc ça c'est un peu notre nouveauté cette saison et notamment on l'a travaillé autour de l'esprit du tutu. Donc c'est vraiment jouer avec un esprit ludique, un degré d'humour. Voilà. Sinon on aura travaillé bien sûr autour de la Tour Eiffel, thème évident quand on travaille Paris. Et on a notamment une ligne en dentelle Leavers qui travaille vraiment le lassage en reprenant le graphisme de la Tour Eiffel. Et c'est associé à un imprimé avec de minuscules Tours Eiffel dans un esprit un petit peu macaron. Vraiment des petites Tours Eiffel délicates, subtiles, on va dire. C'est assez jeune. C'est transgénérationnel. Chez nous, ça va du 25 aux 75 ans.
Et évidemment, on cible les femmes, on espère que les femmes trouvent leur bonheur. On cible aussi les hommes, puisqu'ils sont très présents chez nous pour acheter des cadeaux. On est une marque qui a la chance de pouvoir capter l'homme. Donc on cible vraiment, vraiment large avec ce genre de produits et ce genre de thèmes. Vous faisiez toujours des campagnes assez, un peu accrocheuses, justement. Ces leçons de séduction que vous aviez mis en place, là, ces campagnes publicitaires. Donc c'était un thème assez accrocheur pour les hommes plutôt ou pour les femmes? On va dire que ça accroche les deux. Les leçons ont vraiment toujours pour but de faire rire. Évidemment de capter l'attention, on est toujours une marque séduction bien entendu, donc on met en valeur la femme, on met en valeur les formes, on met en valeur les courbes. On espère que chaque femme se retrouve dans cette photo, dans ces photos, ou en tout cas espère être comme les mannequins sur les photos, et on capte aussi bien les hommes que les femmes là-dessus. Je le découvre. Justement, vous, c'était dans votre collection, est-ce que les tailles portent pour les personnes plus importantes? Nous, on essaye vraiment de servir toutes les femmes, donc on les rondes bien évidemment, les menus aussi. On commence du bonnet A, on va jusqu'au bonnet F. Aujourd'hui, on commence à avoir de bons résultats d'ailleurs sur ces tailles-là, ce qui prouve qu'on se fait une place sur le marché et qu'on a des produits adaptés. On sert aussi bien les produits du Nord que les produits du Sud, et les morphologies sont différentes. Donc on essaye vraiment de cibler toutes les morphologies. Donc là, vous avez une collection particulière, là, vous dites, pour les personnes entre le Nord et le Sud. Ce sont les mêmes collections, simplement les reventes ne sont pas forcément les mêmes d'un point de vue des formes et d'un point de vue des profondeurs de bonnet. Merci beaucoup. Je vous remercie.